Yo tout le monde, c'est Nonjona. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match opposé Metz à Dijon. Je vais pas le faire très long parce que je commence à en avoir un peu marre. Bon, je ferai toujours mes débriefs, hein, y a pas de souci. Mais je veux dire, là, faut virer le coach, faut redynamiser les joueurs, faut tout refaire, quoi. Donc voilà, je vais juste mettre les notes aux joueurs et donner l'effet de jeu. Et donc, on a pris un but. Non. Ouais, si, on a pris un but à la 30e minute à peu près. Encore une fois, la défense qui a été trop passive. Et après, on a eu pas mal d'occasions. Roum, une tête. Bon, elle est sous le gardien, mais. C'était une belle tentative d'Osevic qui l'avait bien servi et tout. Bon voilà. Kawashima qui a encore fait pas mal d'arrêts décisifs. Hein. On peut en parler. Mais après Roux, bah, à la 45e, un peu plus même, il la met. Il a encore un centre de d'Osevi. Et il met une tête. Bien croisé et tout. Ouais, ben ça finit en but. Et donc voilà. Et ensuite, 49e, si je dis pas de bêtises, Sliti, il remet un but. MS n'arrivera jamais à revenir dans le match. Diagne, à la fin du match, je crois à la 70e, un truc comme ça, il se fait sortir pour un geste méchant. Bon, après, je sais pas si le rouge est vraiment mérité. Bon, le jaune, c'était un jaune orangé pour moi, on va dire. Parce que, bon, la faute, elle est quand même vilaine, mais l'intégrité physique du joueur, elle est pas forcément mise en danger. Donc, pour moi, les notes ce soir, Kawashima. Sans toi, on prenait une dérouillée, mais sans conteste, hein. Donc, 7. Balio. Ah, t'as fait un bon match, hein. 6. Allez, 7 aussi, 7. 7. Rivirez, pour un poste où t'as pas l'habitude de jouer. Pour moi, c'était plutôt pas mal. Donc, on va mettre un petit 8. Bon, après, comme je dis, c'est parce que c'est pas ton poste habituel. Hein. Si t'avais joué défenseur droit, je t'aurais mis 7, peut-être 6. Ensuite, Niakate, t'as fait un match un peu transparent. Bah, va te mettre 6. Même si t'as fait plusieurs interventions assez décisives. Pour moi, voilà. Ensuite, Diagne, si t'avais pas été exclu, t'aurais eu un beau 8. Clairement, pour moi, t'aurais eu un 8. Donc, là, je te mets 5 parce que tu nous coûtes cher. Philips. Pff, encore une fois, transparent, tu laisses passer tout et n'importe quoi. 4. Quad. Aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, non, hier. Hier, t'as pas montré tout ce qu'on attendait de toi, je vais te mettre un petit 5. Ensuite, Ndet. Ah, t'as essayé de faire quelque chose, mais bon, t'as perdu beaucoup de ballons, beaucoup de duels. Moi, je vais te mettre un petit 6, allez. Ensuite, ben, de l'autre côté de Séville, je vais te mettre 7. Parce que t'as fait un bon match. Mais t'aurais pu être encore un peu plus percutant. Ensuite, Roux. Bah, vu que t'es le seul buteur, je vais te mettre 8. Et Rivière, bah, autant une fois pas vu, t'as perdu tout un tas de ballons, tout ça, je vais te mettre 4. Ensuite, pour les remplaçants. Poblété, on l'a pas beaucoup vu. Bon, on va dire. Allez, 6. Fernandez, t'as failli créer une occasion de but magnifique. Malheureusement, t'as été stoppé irrégulièrement et l'arbitre
Rien du tout. La faute était aussi méchante que celle de Diagne. Mais bon, on va pas faire les rageux. Et voilà. Mais là, je vais te mettre un petit 7. Et ensuite, Ibrahim Niang. Alors là, ça fait longtemps que t'es pas revenu sur les terrains. Mais maman, qu'est-ce que t'étais bon hier. T'as tenté, t'as fait pas mal de choses. Je vais te mettre un petit 7. Bon, après là, les gars, je crois qu'on va à Lyon, si je dis pas de bêtises. Ça va être compliqué. Il va falloir changer de coach en plus. Aujourd'hui, Serein fait le point avec Inge Berger. Normalement, Inge Berger devrait sortir, après, il y a moyen, ils disent, voilà, c'est pas moi, c'est les joueurs. Ils n'ont pas été bons, laissez-moi encore 10 matchs pour redresser la barre. Serein, il y a moyen, parce que leur a pris une ganache, attention. Mais il y a moyen, ils disent, ah ben c'est pas grave, viens Philippe, on va boire l'apéro, tu vois. Donc voilà. Mais franchement, il y a moyen de changer de coach. Et il y a moyen de faire un peu mieux contre Lyon, peut-être. Peut-être le match nul. Mais bon, on va falloir prier toutes nos forces et va falloir serrer les fesses. Hein. Bon, sur ce, moment, les amis, je vous dis à la prochaine. Bah, enfin, soit pour un prochain rap, parce que je suis en train d'en écrire un. Soit pour le nouveau débrief qui sortira samedi prochain. Je pense que même ce sera le rap, pardon. Hein. Donc, c'était Noni Grenat. Over.